chanson qui s'appelle Le Petit Télégraphiste. À l'époque, il y avait encore des télégraphistes. Eh bien, elle est de Jacques de Broncard. Jacques, qui pour moi avait un talent magnifique, est parti jeune, à 49 ans, il est mort à 49 ans, et il est parti sans avoir réalisé tout ce qu'il aurait aimé faire. Et je trouve ça dommage, parce qu'il laisse un patrimoine chanson, parce que moi je suis un pur produit de ce qu'on appelait la rive gauche. Et quand on arrivait sur la rive gauche, on ne pouvait pas chanter la chanson que chantait Madame Chose, plus connue, Madame Truc. Bon, non, il fallait arriver avec un tour de chant original. Alors on courait partout, mais à l'époque, dans les éditions, on trouvait des chansons, il y avait ce qu'on appelait le pianiste de fonction. On se créait un répertoire. Et donc j'ai pris le pli, et très souvent on me dit, mais pourquoi ne chantez-vous pas chansons connues? Alors celle qui vient derrière, oui, elle est connue, elle est de... un auteur, compositeur très connu, c'est une chanson de Léo Ferré. Poitrine nue, quand on va faire un tour au bout d'un an.